On devra voler dans le ciel et être à ton lettre avant que le commandant ne la reçoive. Soumis pour le décollage pour s'y mettre. Après, tu accepterais que ce ballon peut nous porter tous les deux? Yaudi. Yaudi. Merci, l'ourson. C'est notre lettre au Père Noël. Gaudi! C'est sûr qu'il s'est pas de voir sur la vidéo. N'approche pas plus. Ah, bah, il est gentil. C'est juste qu'il fait des bêtises. Non, mais il va pas de griffes, Caïsta. Mais reste triste, parce que sinon on va te voir sur la vidéo. C'est chant de Noël, mais c'est plus le chant de Noël en question. C'est les petites bébêtes qui lui chantent, et alors il n'y a pas de chance. Pourquoi n'écris-tu pas deux pour le mien? Deux pour moi? Oh, lapin, tu es assurément le plus généreux.
Est-ce que je peux demander quelque chose au Père Noël pour toi? Tout vos galons sont comme c'est gentil de la mettre. Deux tapettes à mouche pour Coco Lama. Oh, si, mais j'ai déjà tout ce dont je... Eh bien, il y aurait ces choses... Un pulvérisateur qui viendra à bout de ces satanées bestioles. J'en voulais un depuis des années, mais je n'osais le demander. Alors, je devrais le demander pour toi, Porcinet. Est-ce qu'on peut avoir un de ces, peu importe ce que c'est, pour notre bon ami Coco Lapin? Je peux demander quelque chose pour quelqu'un? Je peux? Je risque de vous traîner au parapluie pour parler de vrai. Je vous casserai nous besoin. Et une nouvelle maison? Oh non! Deux maisons! Oh, coupons la croix en deux. Allons-y pour tout un fond au minimum. Merci beaucoup. Et quatre raquettes pour Tilo, pour qu'il puisse bondir six fois plus haut. J'adore la logique de la thématique. Non, des raquettes à ressort pour qu'il puisse bondir jusqu'à la ligne. Oh, merci, Coco Lapin, et 10 points de miel pour l'enfant. Non. Ça, c'est le temps des fêtes. Ce sera le plus tard en Noël. 80 pots de miel pour Winnie l'enfant. Bah ouais, il en commande plein des pots de miel. Comment ça se fait? Allez, tout le cadeau